Hélène, encore Quoi encore, Laetitia Tu es encore en train de faire tes danses stupides de toujours. Mais tu sais bien, non, que je dois le faire. Dans quelques jours, il y aura un concours de danse, et moi, je vais y participer. Mais pourquoi tu sembles si fâchée Mais tu ne comprends toujours pas que tu n'es pas capable. Tu te fais seulement des idées. D'ailleurs, au même, ta manière de danser ça fait rire. Mais pourquoi tu me dis toutes ces choses Mais c'est toi ma meilleure amie. Et cela pour peu de temps encore, si tu n'arrêtes pas avec toutes ces distractions. Mais pourquoi tu ne comprends pas, tu n'es pas capable pour faire ça. D'ailleurs même tu es pauvre, et tu ne peux pas te permettre d'augmenter encore d'autres choses à étudier. Tu sais même quoi, même tout le monde me dit que je dois arrêter de m'approcher de toi. Et qui te le dit Toute la classe bien sûr. Mais pourquoi Parce que pour tout le monde ça se voit que tu es un moins que rien. Tu ne viens plus à t'amuser avec les autres à cause de tes concours de danse. Si tu continues comme ça, tu te retrouveras sans amis. Hélène, qu'est-ce qu'il y a Tout va bien Ça fait un moment que tu n'es plus comme avant pendant les séances. Non, je vais bien. Vas-y, tu sais que tu peux bien faire confiance en moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le-moi. Non, rien, ça va. Même tes parents sont préoccupés, ils m'ont dit que ce dernier temps, tu es toujours triste, même pour manger c'est un problème. Et souvent tu ne veux même pas aller à l'école. C'est là le problème Oui. Problème avec les enseignants Non. Avec tes camarades de classe alors Mais pourquoi je fais tout ça même Pardon, qu'est-ce que tu veux dire C'est depuis que j'ai 7 ans que je te dis tout mon temps à la danse mais je ne sais pas si je vais continuer à le faire. Personne ne croit en moi. Non, non, moi au contraire, si, je crois en toi. Ça ne servira à rien, je ne plais à personne. Je ne suis même pas brave, et je ne deviendrai jamais une danseuse professionnelle. Je crois que je suis en train de faire perdre l'argent à mes parents, je n'y arriverai jamais. Hélène, écoute-moi attentivement. Vraiment, je n'y espère plus. Écoute-moi, je te le dis en enseignante maintenant. Tu as beaucoup de talent, et tu sais surtout quoi Non. Tu as de la passion pour la danse, une passion que j'ai reconnue en toi depuis que tu étais petite. Quand il bouge, tout ton corps exprime de la joie, et la communique aussi. Et tu es trop radieuse en dansant. Vraiment Bien sûr que si Hélène. Donc selon vous, quand je serai grande, je pourrai devenir une vraie danseuse Tout dépend de toi. Parce que avant tout c'est toi qui dois y croire, c'est ça le secret. Merci beaucoup Maestra. Maman, je suis vraiment émotionnée. Oui, ma chérie, je le sais, mais ne te préoccupe pas, tout se passera bien, tu verras. Mais pourquoi tu as si peur Comme ça sera elle, à me juger. Mais de qui parles-tu, ma chérie Papa, la directrice de cette école fait partie des juges de mon programme préféré que je regarde chaque soir, c'est une danseuse professionnelle. Et aujourd'hui, ça sera elle à me voir, et puis c'est elle qui décidera si j'ai les qualités requises pour être admise à cette école. Ouf, j'ai vraiment peur, j'espère que ça ira. Oh chérie, je te comprends. Chenny, mais depuis quand tu te donnes beaucoup à la danse comme ça Moi, je n'ai aucune idée même de la personne dont il s'agit. Je ne sais pas aussi c'est de quel programme même elle parle. La voilà, elle arrive. Bonjour, bienvenue chez nous. J'imagine que c'est vous qui êtes prévu pour l'audition d'aujourd'hui. Ah, Hélène? Laetitia? Incroyable tout ça. Tu es devenue ça alors? Une danseuse oui, c'est surprenant non? Mais c'est comment? Vous vous connaissez vous deux? Bien sûr, moi et ta maman, nous avons fait le lycée ensemble, et puis dès lors, nous ne nous sommes plus revus. Yopi, c'est fantastique, ma maman chérie, connaît la danseuse plus connue et une vedette du monde. Oh! N'exagère pas trop, ma chérie. Et toi, comment t'appelles-tu Moi, je m'appelle Chani, et mon rêve est de devenir une danseuse, effectivement comme vous. Je vais proprement devenir votre disciple. Selon vous, j'y arriverai Tu sais, Chani, tout dépend seulement de toi. Bon, vu nos idzani passés, je dirais donc que tu ne prendras pas ma fille. Ça suffit, Chani, viens, rentrons à la maison. Mais Laetitia, qu'est-ce que tu penses Si toi... Tu n'as pas cru en moi, donc moi aussi je ne croirais pas en ta fille Mais détrompe-toi, nous n'étions que des petites filles. Tu crois vraiment que je ne lui donnerai pas la possibilité de me prouver ses capacités Ce n'est pas ça. Tu sais, moi je sais reconnaître les talents et surtout, je ne me permettrai jamais d'être un obstacle pour quelqu'un qui cherche à réaliser ses rêves. Mais maman, je ne comprends pas Moi aussi non plus. Non, il n'y a rien à comprendre. Ne vous préoccupez pas pour ça. Chani, comme je te disais avant, le résultat de cette audition dépend seulement de toi. De toute la passion que tu te montreras, de comment tu surmonteras les obstacles tout au long de ton parcours. Et surtout de la volonté, de l'engagement et de la détermination dont tu feras preuve. Une chose aussi encore importante est de ne pas écouter tout ce qui te décourage en te disant que tu n'y arriveras jamais. Parce que avant tout, c'est toi qui dois y croire. C'est ça le secret. Merci beaucoup, je le retiendrai toujours à l'esprit. Maintenant, je peux commencer à me réchauffer déjà Oh, bravo, tu parles des gens professionnels. Ça me plaît ça.